Beuglement, bêlement, discussion, marchandage, va-et-vient. Nous sommes au marché à bétail hebdomadaire de la commune de Birkilane. Dans cette commune du Sénégal, située dans la région de Kaffrine, à 239 km au sud-est de la capitale Dakar, chaque dimanche est jour de marché à bétail. Ici, le choix est large. Il y a des centaines de bovins, d'ovins et de caprins, provenant des régions du Sénégal et des zones frontalières comme la Gambie, le Mali et la Mauritanie. Et les races des bêtes justifient les prix variables. Les moutons que je propose sont des races pour la plupart, et même de bonnes. Cela explique même la variabilité de leur prix. Ce marché hebdomadaire nous permet d'exposer nos bêtes. Et souvent, nous nous en sortons bien, je peux dire. Moi, je propose des bœufs dans ce marché. Je les ai ramenés du Mali parce que ce marché vise l'intégration. Si on pouvait juste baisser les taxes, le prix des bêtes s'en porterait mieux car ce sont des bêtes fortes et bien portantes. Des fois, les prix sont élevés. Ça peut varier entre 80 et 100 000. Mais les éleveurs donnent quand même des explications raisonnables. Le frais d'élevage et la race aussi des bêtes comptent. Mais à part ça, ce marché nous aide beaucoup dans nos achats. Dans ce brouhaha de marché à bétail, qui accueille également d'autres activités de commerce parallèles à la vente de bêtes, les superviseurs sur les tours veillent, tandis que d'autres font la ronde. La forte canicule pèse sur le marché et du coup, la vente de boissons, de jus, mais surtout d'eau est prospère. Ici, les gens consomment beaucoup d'eau car il fait chaud. Avec cette forte canicule, je peux parfois descendre avec 3000 francs ou 4000 francs CFA comme recette. La commission de l'UMOA, dans le souci de renforcer l'intégration régionale par la lutte contre la pauvreté et le développement d'activités transfrontalières, avait initié il y a 3 ans la construction de marchés à bétail. Dans le cadre de cette initiative régionale visant le développement de la filière bétail-viande, 4 nouveaux marchés à bétail ont été construits au Sénégal dans les localités de Djiguinou, Séwéhaï, Tine Boubacar et Birkilane. Ce dernier marché est le forail le plus important dans la zone de Kaffrine en période de Tabaski, la fête musulmane du sacrifice du mouton. Et il a été visité par la commission de l'UMOA, venue procéder à l'évaluation de la première phase de réalisation des marchés à bétail transfrontaliers dans les États membres de l'Union. Aujourd'hui, nous sommes en Birkilane pour visiter effectivement ce marché qui est considéré comme un marché modèle pour s'enquérir des dispositions qui ont été prises par les autorités locales depuis la construction et le fonctionnement de ce marché à bétail. Et nous avons vu aujourd'hui l'engouement que ce marché a créé. Ceux qui sont venus avec les moutons, ceux qui sont venus avec les chèvres, ceux qui sont venus avec les bœufs, ceux qui sont venus vendre des petits denrées alimentaires. Et chacun gagne sa partition dans ce marché. Et l'impression globale des populations, c'est que tout le monde est satisfait. C'est vrai, toute œuvre humaine mérite une certaine réserve, parce que nous sommes des humains, mais globalement, la satisfaction est totale. D'un coût de 105 millions de francs CFA, et pour une durée de 30 ans, le marché à bétail de Birkilane s'étend sur une superficie de 3 hectares. Il comprend plusieurs compartiments dédiés aux bovins et petits ruminants, en plus du bâtiment administratif. L'aspect sécuritaire a été bien pris en compte dans cette infrastructure. Et cela a beaucoup amélioré les conditions de vie des populations, surtout avec la baisse de vols de bétail. Des améliorations pourraient également apporter une gestion efficiente du marché. Et la problématique de l'ombrage ainsi que d'autres ont été soulevés par les éleveurs qui ont reçu cette délégation de la commission de l'UMOA et de ses partenaires. D'abord, il faut constater qu'avant ce marché, il y avait un énorme vol de bétail
dans le département de Birkirane. Il y avait également les éleveurs qui étaient souvent victimes d'agressions dans ce cadre de ces vols de bétail. Mais depuis lors, avec l'érection de ce marché, nous avons constaté qu'il y a eu zéro vol pour cette année. Les éleveurs ont fait même une délégation au niveau de la préfecture pour non seulement féliciter et remercier l'administration, mais la collectivité locale, également les forces de sécurité et de défense. Ils m'ont parlé de la construction d'abris, mais moi j'ai donné mieux en essayant de joindre l'utile à l'agréable. C'est au lieu de créer des hangars ou autres, nous allons procéder à un reboisement. Nous allons reboiser la cité, disons le marché, avec la contribution bien sûr de la mairie, mais également des éleveurs eux-mêmes. Et à partir de ce reboisement, nous aurons deux sur non seulement l'ombrage, mais également les arbres. Il y a d'abord la zone de manœuvre qui est petite et dont il va falloir élargir. On constate aussi le côté nord, comme j'avais dit, le mur du côté nord qui est un peu bas, il va falloir relever. On a aussi constaté qu'il faut rambler le devant parce que la zone n'est pas du tout niveautée, le niveau n'est pas bon. Ce que nous voulons encore, c'est quelques tentes, quelques petits hangars à l'intérieur. Vous avez vous-même vu les gens comment ils font des tentes. Et ça, c'est pas ce qu'il faut. Ce qu'il nous faut, c'est vraiment construire des petites tentes pour que les gens puissent se reposer parce que le soleil, il fait très chaud ici à Birkirane. Le fonctionnement du marché à bétail de Birkirane a séduit les membres de la délégation venus des autres pays de l'Union. Ils comptent s'inspirer des bonnes pratiques observées pouvant être utiles à leur marché à bétail respectif. Je suis très content, très ravi, satisfait. Par ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ben, tout se passe bien et je suis vraiment content. Je crois que je vais repartir dans mon pays en toute bonne moralité. J'ai vu qu'ils sont très bien avancés, ça c'est le premier, il faut féliciter cela. Ils sont très bien avancés en matière de parc à bétail. Mais il y a quand même des petites retouches à faire que j'ai observées. Et dans tous les cas, nous prenons expérience à partir de là et nous allons nous y construire. Nous avons vu un marché bien construit, bien structuré, qui comporte les différents compartiments d'infrastructures nécessaires pour un marché moderne. Et l'animation du marché est déjà à cette heure-ci quand même prouve que c'est toute l'importance, disons, de ce marché-là pour la région. Et nous avons constaté également que les différentes infrastructures érigées sur le marché sont nécessaires, sont utiles, sont bien construites. Et tout ce qui a peut-être à améliorer, c'est le nombre de hangars de négoce pour permettre quand même aux différents acteurs de s'abriter correctement. Cette visite a été précédée de 3 jours d'échanges et de partage à Dakar. Techniciens, partenaires et délégations des États membres de l'UEMOA se sont réunis dans un atelier régional sur la première phase de réalisation des marchés à bétail transfrontaliers. L'objectif de la rencontre étant d'apprécier l'état des réalisations et de gestion des infrastructures dans les pays membres. La réalisation de ce marché-là est à différents niveaux d'exécution. Mais pour ce qui concerne le cadre du Mali, les marchés sont déjà fonctionnels. Ils sont donc opérationnels, donc totalement construits. Donc par rapport au mode de gestion aussi que nous avons préconisé, c'est une gestion tripartite. Donc là, vous allez savoir qu'il y a la commune bénéficiaire donc, qui abrite le marché à bétail. Il y a le service technique et puis il y a les coopératives d'éleveurs qui utilisent le marché. Donc pour le moment, quand même, chacun doit jouer sa partition par rapport à la gestion de l'infrastructure. Donc le service technique aussi vient pour appui, conseil et aider un peu les utilisateurs du marché à pouvoir tirer profit de l'infrastructure. En termes de gestion au niveau du Niger, là je pense que ça marche assez bien. Il y a quand même ça se passe bien, mais il y a des difficultés. Parce que les principales difficultés, c'est l'implication véritable de tous les acteurs. Donc ce qui alimente véritablement le marché à bétail, ce sont les éleveurs.
Et quand on regarde au niveau du staff de gestion, ils ne sont pas représentés ou mal représentés. C'est en fait ce qui constitue le problème. Et au niveau des collectivités, tout ce qui les intéresse, eux, c'est les recettes. Donc quand ils vont avoir en tout cas un maximum de recettes, c'est une bonne chose pour eux. Donc il faut voir en amont qu'est-ce qui va faire en sorte que ce marché-là soit véritablement un marché à bétail. Il faut qu'il y ait du bétail. Donc il faut impliquer les éleveurs qui puissent alimenter ce marché-là en animaux de qualité. Donc les acheteurs seront contents et tous les autres acteurs autour seront également contents. La Côte d'Ivoire a eu un cas particulier et Niélé encore beaucoup plus particulier parce qu'avec la crise, on avait déjà des infrastructures qui étaient assez bonnes et avec la crise, tout ceci a été délaissé pendant 10 ans et pillé avec tout ce qui peut arriver. Aujourd'hui, avec le passage de l'UOMOA déjà, on a réussi à mettre déjà certaines infrastructures en exergue, mais on a encore beaucoup à faire parce que tout n'est pas fonctionnel au niveau attendu. Et pour assurer le fonctionnement de toutes ces infrastructures, on a besoin de la collaboration encore de l'UOMOA et l'implication de nos différents États, notamment celui de la Côte d'Ivoire, et aussi l'implication de nos voisins qui sont le Mali et le Burkina, qui nous ravitaillent beaucoup en bétail. La rencontre sur l'évaluation de la première phase de réalisation des marchés à bétail transfrontaliers dans les États membres de l'UEMOA a permis de dégager plus d'une dizaine de recommandations, dont la pérennisation des infrastructures déjà réalisées. Les avancées sont significatives, mais les défis restent à relever. À travers cette rencontre-là aussi, nous avons pu relever les insuffisances en ce qui concerne les infrastructures qui ont été créées. Et cela nous a permis d'avoir une idée encore beaucoup plus élargie sur la typologie de ces infrastructures et comment il faut mieux les gérer pour garantir non seulement leur durabilité, mais aussi leur fonctionnalité. Le montant global de la réalisation des marchés à bétail transfrontaliers dans les États membres de l'UEMOA s'élève à un peu plus de 2 milliards de francs CFA. Pour la première phase d'évaluation, un total de 23 marchés est dénombré en 3 années d'exécution du projet. 16 nouveaux ont été construits dans tous les pays de la zone et 7 réhabilités. Pour ces derniers, il s'agit des marchés de Terra, Gotei et Torodi au Niger, Sikasso au Mali, Pétégoli et Dorient-Niangoloko au Burkina Faso, ainsi que Niélé en Côte d'Ivoire. Thank you.